Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, moi et Catherine, on travaille très fort pour avoir une vidéo à chaque semaine sur Girly Addict, coûte que coûte. Mais malheureusement, cette semaine, Catherine travaille sur un très très gros projet et elle ne pouvait faire cette magnifique vidéo de favoris back to school. Donc c'est moi qui vais le faire. Dans tous les cas, si je présente quelque chose comme de la merde, mais que ça vous intéresse, tous les liens seront en barre d'informations en bas pour répondre à vos questions efficacement et pour pouvoir les acheter. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre, moi, pas Catherine ce coup-là, hein, moi, sur Instagram et mes réseaux sociaux, ça va apparaître sur l'écran comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné à cette magnifique chaîne, eh bien faites-le! Donc c'est parti! Mettons l'animation 3D faite par une personne extrêmement talentueuse. Donc, j'ai ici une boîte qui sont les favoris Back to School de Catherine. Et on va passer à travers ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un sac à dos Vashi, même que ceux du décor. Ah ben oui! Et c'est de Amazon, hein? Acheté sur Internet, c'est génial. Oui, elle m'a mis des petits guides, parce que clairement, je ne vais pas savoir c'est quoi qui est dans cette boîte. Donc, c'est un sac à dos quand même super simple. Il y a des belles petites straps. Et voilà, vous êtes prête à faire votre écolière coquine pour aller à l'école, prête pour une nouvelle journée d'apprentissage. Oh, attends, c'est vraiment serré. Les straps fonctionnent très bien. Et sinon, eh bien, il y a de la place pour mettre ici, eh bien, toutes vos Pokéballs. Et ici, vous pourrez bien sûr mettre, eh bien, tous vos cahiers. Et oh, il y a même une petite pochette à l'intérieur pour mettre votre ordinateur. J'espère que c'est pas un Mac. Et non, c'est ça. Sinon, en cas d'urgence, je suis pas mal sûr que si vous le remplissez de flotteurs, ça peut servir comme objet de flottaison en cas d'un accident d'avion. Donc, fantastique. Sinon, on a ceci. Vraiment, Catherine? De la malbouffe? Quel exemple que tu donnes aux jeunes, Catherine. Donc, ici, on a des goldfish à la vanille. On a même pris la peine de mettre un cœur. Voilà ce que j'en fais de tes cœurs, Catherine. Donc, c'est ça, c'est des goldfish, petits gâteaux à la vanille. Catherine les aime beaucoup. Catherine mange très mal. J'aimerais profiter de ce segment pour dire à tous les jeunes devant nous qui nous écoutent, mangez bien s'il vous plaît, ne faites pas comme Catherine qui se gave de sucreries à longueur de journée. Il vous faut des vitamines, il vous faut des protéines, il vous faut plein de choses pour fonctionner. Du potassium. Savez-vous ce que vous mangez du potassium? Est-ce que ça a du potassium? C'est pas écrit, ça doit être honteux. Mais sinon, hein, quand vous avez mangé vos vitamines et vos potassium, gâtez-vous avec des goldfish à la vanille que Catherine aime. Sinon, on a ceci. Nous avons des surligneurs Stabilo Boss de Archambault. Donc, à 12$. Non, t'étais censé sortir. Donc, c'est des magnifiques surligneurs. C'est vrai qu'ils sont beaux. Ouh, j'ai des couleurs comme pastel un peu. Ah! Faut avoir des surligneurs qui fitent avec votre sac à dos. Concept. Mais pour vrai, des surligneurs, c'est assez important parce que quand vous avez tous vos manuels, là le prof va parler en face. Vous, votre job, c'est de surligner les choses qui sont importantes à souvenir, parce que vous n'allez pas prendre votre manuel et lire tous les maudits paragraphes une fois à la maison. Franchement, qui a le temps de faire ça? Donc prenez votre surligneur, surlignez les choses importantes, hein, et avec vos crayons à côté, vous faites des dessins dans vos livres. Tout en écoutant le prof. Tout en écoutant le prof. Il m'a comme rien donné pour tester ça. Ah! Si vous n'aviez pas vu notre vidéo de fourniture bizarre, ils sont tous dans le tiroir ici. Magnifique. Est-ce que je suis censé vous montrer ça? Non, on a une relation maintenant. On devient des bons amis. Une enveloppe. Oh! Ils sont pas... Hein? C'est des belles couleurs. Regardez ça, c'est beau. On le voit-tu? C'est sûr qu'on le voit pas. Ah! C'est pas moi qui est derrière la caméra pour ajuster. Oh non! Mais en tout cas, elles sont belles. Donc, des surligneurs. Sinon, il y a ceci, qui sont des carnets disponibles chez Indigo. Donc, le premier carnet, évidemment, Slayer Day, assez magnifique, très beau. Donc, un petit rose. Rose! Et comme vous pouvez voir, oh, il y a vraiment des choses écrites dedans. Checklist d'ici le 14 juin. Il n'y a rien de coché. En tout cas, quelqu'un fait des checklists et ne les respecte pas. Catherine? Mais non, c'est un beau petit carnet. Et évidemment, je voulais éviter de vous montrer le deuxième parce que... Ben, il y a des minous. Catherine aime les chats. Ah, lui est vide.
Ici, nous avons des crayons. Feutre Staedtler. Je pense qu'elle a fait une faute à Staedtler, même quand c'est écrit à côté sur le crayon. Ah non, c'est moi qui sais pas lire. Bien, Catherine sait écrire. Disponible sur Amazon pour 15$ ou dans pas mal n'importe quel magasin aussi, comme d'habitude. Tous les liens dans la description, toi va-t'en. Donc, ces crayons-là, pour vrai, sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux. C'est comme des petits feutres. C'est comme des petits feutres. Et c'est vraiment le fun parce qu'il y a plein de couleurs. Donc, pour justement dessiner dans vos cahiers à côté, ben, mettez-y au moins du cœur, ok? Dessinez pas juste avec une couleur, dessinez avec plusieurs couleurs. Comme ça, moi, vos dessins vont être beaux. Sinon, nous avons un shampoing sec de la marque Baptiste. D'une valeur de 9$. Et je suppose que Catherine l'adore. Enfin non, je sais que Catherine adore son shampoing sec Baptiste. Mais je sais même pas ce que ça fait du shampoing sec. Mes cheveux sont mouillés! Non! Non! Shampoing rafraîchissant instantané. Ok. Je m'y suis sur mes jeans. Faut que je les lave. Ça doit faire comme 3 mois que je les ai pas lavés. Non, c'est une joke. 2. Sinon, nous avons ici une robe du Forever 21. C'est pas une robe magnifique. Ah! Une petite robe. Et des fois, une petite robe simple, c'est quand même le fun parce que, ok, du linge là avec comme plein de motifs puis plein d'affaires puis tout, des fois c'est juste comme, des fois une petite robe simple comme ça là, c'est vraiment beau. Ça épouse vos formes et vos courbes, donc vous soyez fiers. Est-ce qu'elle me fait? Je sais pas si elle me fait. Définitivement, on regardera pas ensemble si l'aspect robe me fait bien parce que, ben vous allez voir mon pénis. Nous avons ici une tasse! Tasse! Disponible chez Farfelu. Écrit Crazy Cat Lady et c'est en forme de pâte. Oh! Le bas est quand même assez honteux. C'est une pâte de minou. Tu sais, je pensais déjà que c'était la pâte d'en haut, mais non, c'est une pâte en bas. Ben, d'un côté, il y a quand même beaucoup de capacité de liquide intérieur. Donc, vous pourrez bien vous hydrater en faisant vos devoirs. Grâce à cette magnifique tasse. Et au cas où il y a un voleur qui vient, ben, je suis pas mal sûr qu'un coup de tasse d'en face comme ça, ça va lui faire mal. Puis il y aura une trace de pâte d'en face. Ce qui est quand même très hilarant pendant que vous appelez la police et vous courez. Ici, nous avons un... Ok. L'agenda se tient comme ça. Mais le post-it est mis comme ça. Ça, c'est les choses qui m'empêchent de dormir le soir. Donc, on a un agenda Bandou. Ça s'achète sur Bandou ou Indigo à 35$. Voyons donc. 35$ pour un agenda. Pour 35$, on peut acheter une tablette. Ah. Oh, ok, il y a des petits autocollants. Ok, je vais avouer qu'il est beau. Il y a des petites couleurs. Ok, ok. Je dois l'avouer, il est vraiment cute. Il est vraiment cute, Jumper. Regardez ça. Avec un petit ruban gold. Ok, ok. Il vaut son 35$. Je m'excuse à tous ceux que j'ai offensés. J'imagine s'il y a des gens qui ont quitté la vidéo avant que j'ai fait comme « Ben moi, Jay, j'aime les agendas. Donc, finis ta vidéo. » Puis là, juste après, je m'excuse puis on manquait ça. Ça vous apprendra de quitter d'avance. Nous avons ici des trombones chats disponibles... Chats. Disponibles au bureau en gros. C'est vrai, je m'en souviens d'eux. Ils sont vraiment comme dans une petite... Et là, les trombones sont en forme de... Sont en forme de siponies. Sont en forme de minou. Donc, oui. Mais le problème avec quelque chose de cool comme ça, c'est ton trombone est en forme de chat. Ton trombone t'a coûté 4 fois le prix d'un trombone normal. Tu voudras jamais t'en débarrasser. Tu vas pas donner ça à un prof que tu sais qui va prendre ton trombone puis le jeter, faire comme... Nier. Comme, c'est triste. C'est des beaux trombones. Mais faut que tu l'utilises pour vrai. Donc, c'est comme... Quelle perte! Et finalement, oh non, déjà la fin de la vidéo, Jay, on s'ennuie de toi, je t'aime. Écrivez dans les commentaires en bas, on veut plus de Jay. En fait, vous avez écrit que vous vouliez plus de moi, alors me voilà. Donc, vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez d'autres favoris avec Jay. Pitié, faites-moi pas passer ça encore. Donc ici, on a un cardigan disponible au garage. Donc en réparant votre véhicule, vous pourrez acheter du linge.
mes jokes sont drôles, ok? Donc, c'est ça. Et, oh. Oh. Ok, ça. Ça là, si vous avez une école avec la climatisation vraiment trop puissante, ça pourrait être assez chaud et confortable. Oh. Oh, j'en veux un. Oh. Je me sens comme câliné par un ange doux. Oh, je suis quand même magnifique. Okay, j'ai l'air d'une grand-mère, par exemple. Yeah. Pour de vrai, sur une jeune femme, ce serait beaucoup plus beau. Mais, niveau confort, je peux au moins vous dire que c'est très confortable et très chaud. En fait, c'est déjà très chaud. Il n'y a pas de clim dans notre studio. J'aime le jaune, c'est comme un beau jaune. C'est pas un petit jaune lait, c'est comme un jaune moutarde puissant, orangé. Puis c'est parfait pour la transition vers l'automne. Vous pouvez même le porter comme foulard. Alors voilà tout le monde, c'était tout pour cette magnifique vidéo de favoris avec Jay. Vous vous excuserez, Catherine devrait avoir fini son travail pour la prochaine vidéo, donc vous serez pas pris avec moi encore. Mais on a fait notre mandat, il y a eu une vidéo cette semaine sur Girly Addict, par un membre de l'équipe Girly Addict, et c'est tout ce qui compte, hein? C'est ça. Donc comme d'habitude, si vous ne nous suivez pas, ben qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous, hein? Il y a un beau bouton s'abonner, alors pesez dessus, pesez sur la petite cloche, comme ça vous avez une notification quand nos vidéos vont sortir, parce qu'on va être honnête, nos vidéos sont quand même assez fantastiques. C'est quoi Catherine dit à chaque vidéo? Je suis vraiment assis là et je l'entends à chaque fois dire ces choses de fin de vidéo, et j'ai oublié qu'est-ce qu'elle dit. Donc j'espère que vous avez bien aimé, bonne rentrée à tous, et ben je vous aime. Donc, c'est ça, la vidéo est finie. Bye.